Je m'appelle Dorothée Mugnanesa, je suis chanteuse, chorégraphe, auteure. Et là, je suis à Toulon, au Théâtre Liberté, pour présenter ma nouvelle pièce qui s'appelle Unwanted. Unwanted est une pièce qui donne à entendre les voix de certaines femmes violées en temps de guerre. C'est une parole plutôt, pour moi, universelle, qui passe par des témoignages de femmes rwandaises rescapées du génocide des Tutsis. J'ai appelé ce spectacle Unwanted pour plusieurs raisons. Unwanted signifie non désiré, non voulu. Et donc, d'abord, le viol comme arme de guerre est une chose que personne ne souhaite pour soi, ni pour ses propres enfants, ni pour ses propres sœurs. Mais aussi, les hommes, quand ils envahissent un territoire géographique, ils envahissent de manière violente le corps de la femme. Et ils laissent des traces. Ils laissent des traces physiques, des traces émotionnelles, des traces psychologiques, et aussi des enfants. Des enfants qui sont nés de viol. Et pour moi, c'est cette question aussi de maternité. Comment peut-on aimer un enfant de son bourreau? Comment est-ce possible d'élever un enfant de son bourreau? Si je devais résumer ce spectacle en un seul mot, ce serait la dignité. La dignité que ces femmes cherchent par leurs propres moyens à retrouver. La dignité que ces enfants cherchent eux-mêmes à se réapproprier. Donc oui, pour moi, c'est la question de la dignité. Quand j'étais au Rwanda pour rencontrer des femmes qui ont partagé leur témoignage pour Unwanted, à chaque fin de rencontre, je leur demandais si je pouvais les prendre en photo. Elles se levaient, elles allaient dans leur chambre et se changeaient et revenaient vêtues de leur plus bel habit. Et donc moi, je me retrouvais devant elles pour les prendre en photo. Et aujourd'hui, avant de jouer cette pièce, je communiais avec elles en exposant leurs photos devant mon miroir au moment où je me prépare pour me retrouver, pour être vraiment habitée par leurs histoires, habitée par leur beauté, habitée par leur féminité, par leur maternité, leur dignité. Et donc voilà, mon rituel, c'est vraiment d'avoir ces photos de ces femmes devant moi.